Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la pression politique de l'Occident a accéléré l'intégration économique du Bélarus avec la Russie. S'exprimant virtuellement lors d'un forum bilatéral vendredi, Vladimir Poutine a déclaré que les deux pays travaillaient ensemble pour minimiser les dommages causés par ce qu'il appelait les sanctions illégales de l'Occident, en développant de nouvelles compétences et en élargissant la coopération avec des pays amis. La Russie et la Biélorussie ont signé un traité d'union en 1997 après l'effondrement de l'Union soviétique, mais le processus d'intégration avait vacillé jusqu'en 2020. Jusque Moscou a soutenu les efforts du président biélorusse Alexandre Loukachenko pour apaiser les manifestations dites gouvernementales. Le Bélarus a également autorisé la Russie à utiliser son territoire comme terrain de rassemblement pour son opération militaire en Ukraine. Les remarques de Vladimir Poutine font suite aux commentaires du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui a appelé le Bélarus et la Russie à améliorer conjointement les capacités de défense aérienne et la préparation au combat des troupes.